Bienvenue à tous, aujourd'hui une vidéo très particulière, on va revenir ensemble sur les 4 dernières années des CPC Series, tout ça en 10 championnats. Premier championnat CPC Series, Gallardo Corsa Championship, pour ceux qui ne le sauraient pas, débute en octobre 2014 sur un jeu qui est encore à ce moment en bêta. Les courses se sont déroulées sur les seuls 5 circuits officiels disposant de 24 pits. Les contacts, point faible d'Assetto Corsa encore à ce jour, associés au netcode en version bêta, et à l'inexpérience du peloton, ont occasionné des débuts plutôt brouillons, surtout sur le circuit de Monza. Malgré tout, nous avons affaire à des gentlemen drivers et l'ambiance va rester courtoise. La compétition va rester sur la piste et ce championnat sera un succès qui en amènera très vite un deuxième. Et les années 80 sont à l'honneur dans ce deuxième championnat grâce à la mythique BMW M3 E30 groupe A. Circuit modé, deux manches par course, grille inversée en deuxième manche et classement par équipe sont les nouveautés d'une deuxième saison ambitieuse. Débutant en février 2015, le championnat BMW E30 a introduit la règle des 8 meilleurs résultats, permettant aux pilotes ne pouvant participer à toutes les courses de conserver leur chance au classement général. Cette voiture sans concession ni aide d'aucune sorte à la conduite aura mis nos pilotes à rude épreuve. Malgré cela, ils nous auront offert un superbe spectacle avec des courses toujours plus disputées. We'll be right back.
Organisé par Lord Patou et co-organisé par Smokit, le Champ GT3 démarre en mars 2016. Pour cette troisième édition, les CPC Series proposent aux pilotes une sélection de 6 voitures parmi la classe des GT3 sur un assortiment de circuits modés et officiels. Pour la première fois, les participants ont dû user de stratégie dans des courses tuner avec passage obligatoire par les stands. Malgré, grâce à cela, de nombreuses courses verront de faibles écarts ou des retournements de situation dans les derniers tours. La fin de saison aura quant à elle proposé un terrible challenge aux pilotes avec deux des pistes les plus dangereuses existantes, Bathurst et la Nordschleife. Dans ces deux courses, la victoire se sera jouée dans le dernier tour. Le championnat Abarth 500 est très particulier. Organisé par Ecos et Ultimex, il a été designé pour faciliter la bagarre entre pilotes. La première grille de départ a été tirée au sort, puis ensuite les pilotes démarraient dans l'ordre inverse de leur arrivée lors de la manche précédente. Ajoutez à cela un setup fixé pour tout le monde, vous obtenez un championnat complètement fou. Seule ombre au tableau, certains circuits modés furent pour le moins problématiques. Débutant en septembre 2016, le championnat BMW 235i est dans bien des domaines devenu une référence. Que ce soit au niveau du format, du système de points, des bonus aux pole positions et meilleurs tours en course, ces CPC Series ont posé les bases de tous les futurs championnats se déroulant en plusieurs manches.
Sur chacun des 10 circuits de cette compétition, les pilotes devront passer par une série d'épreuves. Une première séance de qualification au format classique, suivie d'une course de 20 minutes, puis une deuxième séance de qualification, cette fois-ci d'un seul tour lancé seulement, suivie d'une course de 30 minutes. La BMW 235i, voiture maniable et peu piégeuse, aura grandement participé au succès de ce championnat. Grâce à elle, 7 pilotes différents vont parvenir à remporter une course, ce qui reste un record en CPC série. Et pour finir, ce championnat reste le seul à avoir eu des courses retransmises en live sur la toile grâce au direct de notre ami Aïk. Direct que vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Avec le retour de la licence Porsche dans les jeux vidéo, c'est tout naturellement que les CPC séries se tournent vers cette marque pour leur 6ème édition. Le championnat 911 GT3 Cup reprend donc les règles des derniers CPC séries en BMW sur des circuits adaptés à une voiture de classe GT3 plus rapide et plus piégeuse. L'arrêt progressif de certains des pilotes les plus anciens et l'arrivée de futurs cadres des CPC Series marquent le grand tournant de cette édition. Malgré une voiture difficile à maîtriser, le peloton a prouvé son gain d'expérience avec dans l'ensemble une saison propre au niveau des accrochages. Qu'il soit individuel ou par équipe, les classements ont encore été serrés dans ce championnat qui voit pour la deuxième fois consécutive sacrer un pilote rookie en CPC Series. Ecos et Ultimex reviennent pour une deuxième édition du championnat Abarth 500 en juin 2017. Si la règle du départ inversé en deuxième manche reste la base de sa CPC Series, les pilotes auront cette fois le droit à une séance de qualification en première manche et la possibilité de régler leur voiture. Cette édition sera aussi plus courte avec seulement 5 épreuves au programme d'un championnat en mode détente. We'll be right back.
Débutant en septembre 2017, le championnat Endurance est unique en CPC Series. Seul championnat multiclasse organisé, GT3 et prototype, il accueillera aussi les courses les plus longues jamais effectuées, 1h30. Autre nouveauté, pour la première fois, les départs se sont faits de manière lancée pour bien séparer les deux classes de véhicules. Jamais les choix de stratégie n'ont été aussi importants que durant cette épreuve. Ne pas ravitailler, un arrêt, deux arrêts au stand, toutes ces stratégies ont fonctionné à un moment ou un autre dans ce championnat. Côté voiture, avec le prototype Porsche 919 hybride, les CPC Series accueillent la voiture la plus puissante jamais utilisée, mais aussi son premier modèle 4 roues motrices et son premier hybride. Enfin, côté compétition, malgré les courses les plus longues et la gestion du trafic, ce championnat restera un des plus serrés, surtout côté prototype. Neuvième CPC série, le championnat MX5 Cup débute en janvier 2018. Se déroulant en 6 épreuves, il a repris les règles des championnats en 2 manches issus de la compétition en BMW 235. La Mazda MX5 Cup, voiture la moins puissante des CPC series, est aussi le premier cabriolet à être utilisé. Grâce à sa maniabilité et à sa faible puissance, cette voiture a permis à nos pilotes de se lancer dans de longues luttes. Il n'a pas été rare de voir des pilotes côte à côte mettre plus de 3 virages pour se départager. Côté compétition, ce championnat restera le plus serré avec seulement 4 points séparant les deux premiers pilotes et 3 points les deux premières équipes.
Deuxième championnat de l'année 2018, la 10e CPC Series débute en septembre. Pour cette saison encore, l'organisation a repris la formule efficace des courses en deux manches, mais cette fois-ci en Porsche Cayman GT4. Le dernier championnat organisé par Lord Patou est marqué par une baisse de fréquentation. À plusieurs reprises, seulement une dizaine de pilotes seront sur la piste. Malgré cela, grâce à une voiture agréable et une sélection de circuits pour la majorité nouveaux en championnat, les courses n'ont pas manqué de rebondissements dans cette compétition au niveau très homogène. J'aurais aussi pu vous narrer l'histoire de tous ces événements uniques créés au cours de ces 4 dernières années, car que ce soit à bord de véhicules dernier cri ou de vieillerie, rien n'est trop dur à piloter. Je remercie donc Lord Patou pour tout ce qu'il a créé et souhaite bonne chance et bon courage à Lolo Léon pour les prochaines années.